ça. Putain, mais... Mathilde ? Mathilde, c'est toi? Marion? Marion? Louise? Louise? Louise, attends. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, Louise? Viens, faut qu'on se barre! Mais viens! Mais viens, putain, mais. Mais qu'est-ce que t'as, putain? Bon... Louise? Louise? Oh, énorme! Une caméra! Hé, Léa! Je trouve une caméra! Arrête de faire tes conneries, putain! Wow! Ça va, Léa? Arrête, Léa! Non. Tu regardes quoi? Je sais pas. M6. C'est une série. Léa, oh, t'es chou, Léa! Oh, t'es chou, Léa! C'est vraiment de la merde! C'est vraiment de la merde! C'est allez, bon. Viens. Léa. Bouge. Arrête. Léa. Arrête. Faut que je range ma chambre. Léa, range sa chambre. Ça va, t'es contente? Ouais, ça va, enfin... J'ai vraiment hâte que ce soit fini, là, que toutes mes valises soient rangées et tout. Non mais c'est quoi, ça? Bref, au pire, je finirai après. Tu veux boire un coup? Ouais, pourquoi pas. Bah, on descend. Tu veux boire quoi? T'as de la grenadine? Ouais. Bah vas-y. Je vais prendre un verre aussi. C'est pas bon. Ouais, j'en ai mis un peu trop. C'est pas grave. Oh Léa, t'es jolie. Fais bisous à la caméra. Quoi? Fais bisous à la caméra. Non mais arrête. Bon tiens. Merci. Ça va ma petite Léa? Tu fais quoi là? Tu me fais faire un tour de ta maison?
Donc là, il y a le salon. Donc c'est un peu un bordel d'ailleurs. Donc là, c'est la salle à manger. Et je te présente le canari. Trop de swag. Sinon. Bah, bon bah ta chambre. Là c'est la chambre d'amis. Oh putain c'est tellement un bordel. Voilà. En même temps vous venez d'emménager. Hein. La salle de bain. La classe. La chambre de mon frère avec les rats. Ça pue. La chambre de mes parents. Et ils ont une petite salle de bain aussi. Non, mais ça va, c'est cool. Ça comment? Bah ouais, c'est cool. Bon, c'est cool. Elle est un peu ancienne, mais... Ouais, mais ça va. Ouais, ouais, sinon t'as une jolie maison. T'as entendu un bruit, non? J'ai entendu un truc. Non, j'ai pas un entendu. Non, on va voir. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bordel? C'est quoi là? Bah. Pourtant il n'y a personne. Mais la porte est pas là. C'est quoi ce délire? Mais attends, ça a tout bougé là. Putain. Arrête de me stresser. Comment il s'appelle ton frère? Romain. Oh Romain, c'était là, pas le con. Bon bah bisous. Bisous. A plus. T'aimes bien? Ouais, on rentre doucement. Tiens, Sushi, tu m'appelles? Ciao. Putain, c'est quoi ce bruit? Non mais cette fille, non mais oh elle est vraiment conne. Bon sinon je voulais te dire que depuis que t'es partie de la maison, j'ai encore entendu des bruits. Bah, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je pense que c'est parce que la maison elle est assez ancienne. Ouais sûrement. Bon, bref, je peux parler de ça, parce que ça m'énerve. Fais pas de soucis. Enfin bon, t'as vu l'autre pétasse dans la classe là? Ouais. Elle a couché avec Ryan. Oui, ouais, je disais quoi. Ah, non, mais en plus, elle fait sa petite intélote là, alors que en fait, c'est vraiment une chaudage cette meuf. Ouais. N'importe quoi. Ah, attends, je reviens, j'entends. Et tu vas où? Romain? Oh, Léa? Léa, t'es où? Putain. Léa! Oh! Tu es chiante. Oh, Léa! Tu te videras jamais, mon frère il était en train de dévaliser le frigo. Mais tu m'as fait peur, mais t'es conne. Hey, tu parles à qui là? À personne. Pourtant, tu avais l'air de parler. De toute façon, ne t'aime pas. Et il s'appelle comment, ton ami imaginaire? T'as qu'à lui demander, il est à côté de toi.
Je le vois pas. Ça va, Léa? Non, mais arrête, tu vas péter le lit, sale con. Attends, je pose la caméra. Ouais, donc je voulais te dire, mon frère, depuis qu'on a emménagé dans la maison, il a un comportement très bizarre. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être dû au changement de lieu aussi. Faut le temps d'adaptation et tout. Il a jamais fait ça auparavant, il a quand même 12 ans, il est assez grand maintenant. Et tu veux dire quoi par changement de comportement? Il se met à parler tout seul et il se souvient même plus qu'il est allé dans le salon quand il y va. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il a quand même 12 ans et je me pose beaucoup de questions. Mais tes parents, ils sont pas là? Non, là, mes parents, en fait, ils sont partis pour le travail pendant 2 semaines. Et il y a mon grand-père, des fois, qui vient me rendre visite. Et pourquoi ta grand-mère, elle passe pas 30 visites? En fait, ma grand-mère a disparu quand j'étais petite et je l'ai jamais vraiment connue. Je sais pas, ton frère, après, c'est peut-être, tu sais, tu changes de maison, tu changes d'endroit. Enfin, je sais pas, il a vécu 12 ans dans une même chambre, dans une même maison. Enfin, c'est normal que ça lui change son comportement, peut-être. Faut pas s'inquiéter pour ça. En fait, je pensais à installer des caméras dans la maison pour voir ce qui se passe un peu, s'il va quelque part dans la maison, s'il y a des trucs bizarres, enfin... Mon père, il est caméraman, du coup, ça peut m'aider. T'es complètement parano, ma petite Léa. Mais non, mais je suis sûr qu'il y a un truc bizarre. Je te l'ai déjà dit l'autre fois. Ta maison, elle est ancienne. C'est normal qu'il y ait des bruits. Non, je sais pas. Même ton lit, tu vois, il fait du bruit. Je ressens un truc bizarre. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, ok, mes parents ils vivent dedans, dans le paranormal ils y vivent, ok, mais c'est bon quoi, ça veut pas dire parce que t'entends des bruits, tout ça, que ça veut dire qu'il y a vraiment un truc. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des rats en haut, non, je sais pas. Non, mais non, tu sens quelque chose. Ouais.
Allô? Oui? Oui, oui, pourquoi? Ah mince, bah papa, il a pas dû répondre. Quoi? Oui. Pourquoi? Ah, oh, merci. De l'extrait de vanille des îles. C'est important? Oui, ça l'était pour ma mère et moi. C'est notre ingrédient secret. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?
une blague. Le déblayage va prendre la nuit et toute la matinée. La route devrait rouvrir demain, alors d'ici là, vous devez faire demi-tour. Mais il y aura un autre chemin pour vous recevoir des morts. Attendez, vous allez à la cérémonie des villages. Il est où? J'ai rêvé ou quoi? On va lui faire un chignon, quelque chose qui se rapproche, qui se suive avec sa robe. Mais après, ça va être un peu la base, il y aura des boucles. Mais après, c'est selon l'aspiration. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où je vais en fait. Hein. C'est un peu au feeling. Elle fait toujours des trucs bizarres. Fait toujours des trucs bizarres. Comme la dernière fois qu'elle m'a mis un grillage dans les cheveux avec le crayon. Des fois, on met des grillages, des fois, on met de la lumière. Ça dépend les thèmes, les concours. De dreadlocks, ouais. On fait de tout, avec les cheveux, tout est possible. Voilà! Ça te plaît? Ouais! C'est moi qui l'ai fait! Ouais! Allô? Oui! Oui, ça va et toi, ouais? Ah, d'accord. Non, bah là, je regarde la télé. Et toi? Ah, d'accord! Tu vois le cinéma écrit, hein? Non, mais c'est cool, vous allez voir quoi? Hein? Je l'ai déjà vu, il est bien. D'accord. Non, mais j'ai des trucs à faire, je pense que je vais pas venir. Non, je vais vous laisser. Ouais. Bah ouais, il y a, je crois, attends, il y a des devoirs en français, je pense. Ouais, ça se voit. J'ai avec mon chien, il est drôle. Hein. J'ai un truc chelou sur le bras. C'est une marque. Putain, mais c'est pas normal ça. T'as vu, c'est énorme. C'est vraiment bizarre ce qui se passe chez moi. J'ai l'impression que c'est pas des blagues de mon frère, tu vois. C'est comme des... Oh, mais arrête, c'est des conneries ça. Non, mais... Faut s'arrêter un peu, Léa. Il faut que tu sois ouvert d'esprit aussi. C'est peut-être des phénomènes paranormaux. Attends, ouvert d'esprit, je vis ça tout le temps, moi. C'est bon, j'en ai marre au bout d'un moment. Moi, j'y crois.
Bah moi ça commence à cette connerie. Il y a un bruit bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit bizarre. Mais où? En bas. Y'a quelqu'un? Oh, ça me fait peur. Putain.
Ouais, donc du coup, tu vas voir. C'est mon nouveau lit, c'est mon grand-père, il est passé, du coup, il me l'a installé. Putain! Oh, il est trop généreux, le papy! Non, mais saute pas dessus, putain, il est neuf! Non! Non, mais attends! Oh, c'est bon, putain. Un peu de tout. Ouais, putain, mais t'as tout défait carrément! Pépito! Ok. Trop bon, chien. Bon, t'as vu alors, il est beau, hein? Ouais, il est trop classe. Non, même franchement, j'aime trop et tout, j'ai mis des petites lumières. J'avoue, mais, j'ai grand. Putain, mais t'as tout défait là, tu veux pas te lever? C'est pas grave. Bon, va falloir qu'on y aille, on a cours quand même. Hein? On a cours? Là, ouais, j'ai pas envie d'aller en SVT là. Allez, non, mais dépêche-toi, il faut que je refasse mon lit maintenant. Oh, putain, tiens. Putain. T'abuses. Bonjour, j'en peux plus. Trop d'excitation. Je suis au bout de ma vie là. Bonjour. Fais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc sur la TPE. Ah ouais. Hé Léa, j'ai pris ta caméra. Non, mais t'es sérieux là? Mais pourquoi tu l'as prise? Bah, parce que pour s'amuser, on sait jamais. On s'en fout. Regarde, on est en cours d'SVT. On est en SVT. Puis on sait jamais si on croise quelque chose de bizarre, comme tu dis. Oh, c'est bon, arrête. Allez, Léa! Non, mais. Maître Riquet, Seigneur Hayden. Est-ce que c'est bien? Vous êtes pour tout le monde? Oui. Mais information aussi, Monsieur Cusin n'est pas là demain. Oui, non, on y va aussi. C'est vrai? Oui, Monsieur Cusin est absent demain. Oui. Donc moi j'y vais. Monsieur Cusin est absent. Bon, monsieur, je dis une autre information. Monsieur Cusin est absent demain. Voilà. Oui, Monsieur Cusin. Adam, du coup, on a 3 heures pour travailler. On travaillera. Non. Voilà. Thank you.
Putain, mais c'est quoi ce délire?
Putain, mais maman, c'est pas normal, Romain, il a une marque sur le bras, comme moi. Il veut même plus parler, il parle plus. Mais non, on n'a pas pu se faire mal comme ça. C'est impossible. Bah non, c'est pas possible, non. Non, mais franchement, je suis très inquiète, là, c'est pas normal du tout. Putain, mais tu comprends pas. C'est vraiment grave. Et pourquoi mamie aussi, elle avait une marque sur le bras quand elle était petite, comme nous? Mais vous avez tout planifié ou quoi? Non mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi moi j'aurais pas le droit de savoir? Qu'est-ce que vous me cachez? Vous me cachez des choses? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel, sérieux? Pourquoi tu gardes des vieilles poupées comme ça? Bah c'était quand j'étais petite. Oh, c'est bon. Bon, tu fais quoi là? Je cherche des infos sur internet. Attends, j'ai trouvé un truc. C'est le même symbole. Tu sais le symbole là, le triangle avec le rond à l'intérieur. Bah j'ai trouvé la signification. Mais c'est alors, ça dit quoi? Alors le triangle symbolise le sexe de la femme et le cercle symbolise le bébé, la naissance. C'est le symbole d'un rituel pour la possession d'un enfant de sexe masculin. C'est quoi ce délire? Bon attends, je vais regarder des trucs. Ça crée des liens. Mais arrête de faire ça. Attends, j'ai trouvé l'adresse d'une personne qui s'appelle Stephen. Il aurait vécu des phénomènes paranormaux avant. C'est du connerie. Attends, attends, il y a son adresse. Attends, je prends une feuille. On va noter, on va aller voir. Non, non, mais je... Tu veux que je t'accompagne? Oui. Merci. Ouais. Il a vu tout ce mec? Ah bon.
ouvert là. Elle est presque prête. Ouvrez-moi ! Ouais. Mais maman ! Mais, s'il te plaît! Ouais, bon, vas-y, allez, assois. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ma mère, là. Je peux pas sortir demain, je peux pas venir avec vous. Ah mince, putain, c'est ma mère. Non, mais je te jure, elle me saoule en ce moment. C'est pas grave. Bref. Bon, de toute façon, on fera une autre sortie quand tu seras là. Ouais. Tu veux que je te montre un truc? Tu vas voir, ça va être drôle. Bon, si tu veux. J'ai découvert ça. Tu fais quoi là? Attends, attends, tu vas voir, ça va venir. Deux secondes. Non! T'as vu? Énorme! J'ai découvert ça. Putain, viens, on met ça sur YouTube. Ah non, mais ça va pas, t'es fou toi. Bah. Parlez à zoom la fenêtre là. C'est qui? Je sais pas. Putain. C'est bien pourri ce coin. Hein. Oh. Attends, rezoom, rezoom. Oh, oh putain. Il y a plus personne. Mais c'est lui. C'était Stéphane. Stéphane, ouais, voilà. Stéphane. Bon, ah, alors c'est là. Regarde les boîtes aux lettres. Premier étage. C'est quelle porte? C'est celle-là. Non, on frappe. Il y a personne ou quoi? Bah si, je l'ai vu à la fenêtre. C'est bizarre. Retoque pour voir, il a peut-être pas entendu. Bonjour. C'est bien vous, Stéphane? Est-ce que vous avez vécu des phénomènes paranormaux? Est-ce que vous avez vécu des phénomènes paranormaux? Des trucs bizarres, quoi. Oh, putain! Il est bizarre, ce mec. Oh, il est flippant! On se casse? Je pense pas, là.
quoi cette réaction? Je sais pas. Bon, on rentre dedans? Bah, j'aimerais bien essayer de trouver un curé en fait. Ouais, bah, moi aussi pour en parler quoi. N'empêche, tu m'as bien fait peur. Hein. Bah, moi aussi, en fait, je pensais qu'il allait nous en parler, mais non. Donc, on va dire, même quand il a ouvert la porte, j'ai trouvé quoi. Allez, c'est parti. Ça va, y'a personne. Oh, mais je sais pas si le curé là. On s'assoit? Bon, sinon ça va toi? Bof. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est la maison. En fait, j'ai pas envie d'y rester. Pourquoi? Ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a des esprits qui me veulent du mal. Ouais, je te comprends. Tu sais, moi, mes parents, ils croient beaucoup en la réincarnation, aux esprits, tu sais. Mmh. Aux phénomènes paranormaux, quoi. Donc moi, je suis un peu dedans tous les jours, quoi. Ça me fait vraiment peur. J'aimerais vraiment partir, tu sais. Mais tu sais, ta maison, elle est ancienne aussi. Donc, faut aussi se dire que, ben, dans une maison ancienne, il y a souvent du bruit. Les parquets, tout ça, tu vois. Mmh. Faut pas trop que tu t'inquiètes. Si jamais il y a un souci, de toute façon, je suis là, moi. Ouais, je sais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais sinon, tes parents, pour la maison? Je sais pas trop. Non, ils savent pas trop quoi penser. Et là, il y a le mec. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est quoi ce bordel là? Il prie? Oh putain, mon ventre! Ça va, Léa? J'ai mal au ventre. Je me sens trop pas bien. Ça va? Non. Tu veux de l'eau? Tu veux quelque chose? Ça va. Ça va? Oui. Ça, tu m'as fait peur. Oh putain. Oh. Bon, allez, faut que je me casse. Plein. Putain, mais c'est quoi ce bloc de merde? Allô, oui, c'est moi. Ça va? Non, ça va pas du tout là en fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait attaquer physiquement par le démon, je te jure, ça va pas du tout, j'en peux vraiment plus là. Mais t'es sérieuse? Ouais, non, mais je veux vraiment partir, ça va pas du tout vraiment.
chez ton grand-père ? Je peux pas, il habite super loin, il n'y a aucun transport pour y aller, il répond même pas au téléphone. Je suis vraiment paniquée là. Putain, je sais pas comment. Au pire, viens dormir chez moi avec ton petit frère. T'es sûr ? Ça te dérange pas ? Ah non, si je te le propose, c'est que ça me dérange pas. Enfin, je vois pas d'autre solution quoi. Ouais, bah, ok. Ok. Bon, bah, j'arrive d'ici 30 minutes alors. D'accord, ok, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Romain ? C'est pas possible. Romain ? T'es là ? Léa ?
T'es là? Voilà, je vais laisser sauter la lumière. Ouais Léa, c'est Adam, bah écoute, là je suis chez toi, je sais pas où t'es, donc bah, écoute, je t'attends, je suis sur ton canapé. Bah, bouge-toi un peu, allez, bisous. Qu'est-ce qu'elle fout? Léa? T'es rentrée? Léa? Léa? Bah, elle a laissé son ordi allumé. Non, mais c'est quoi cette photo? N'importe quoi. Attends. Les volets sont fermés là. C'est quoi ce délire? Putain, j'en ai marre. T'es revenu? Y'a quelqu'un? Adam! C'est quoi ça? J'étais sûre d'avoir vu une lumière. Pourquoi y'a personne? C'est quoi ce délire? Thank you.
quoi ça? Des cassettes. 1999, Stéphane. Il y a du sang là. Y'a quelqu'un? C'est le même symbole que chez moi. C'est quoi ce délire? Oh.
C'est l'heure pour toi. Presque prête. C'est l'heure, Léa.